Bonjour les élèves, comment ça va? On va étudier verbe porter. Par exemple, ici, une question, qu'est-ce qu'il porte? Qu'est-ce qu'il porte? La réponse est, il porte une chemise blanche. Regardez ici. Ce garçon, il porte une chemise blanche. On dit blanche parce que chemise est un nom féminin. D'accord? Si c'est un nom masculin, par exemple un pantalon, on va dire blanc. Il porte un pull vert. Un pull vert. Il porte un pantalon marron. Pantalon marron. Il porte des chaussures noires. Des chaussures noires. Attention, ici chaussures, c'est un nom féminin pluriel parce qu'il se termine par la lettre E, S et couleur, adjectif couleur aussi noir. On ajoute lettre E, S. Mais ici, on dit une chemise. C'est un nom féminin, on dit chemise blanche, blanche. Un pull, un nom masculin, vert. Un pantalon, c'est un nom masculin, marron. Chaussure, c'est un nom pluriel et féminin. On ajoute la lettre E, S. Verbe porter, c'est un verbe qui se termine par ER, c'est-à-dire c'est un verbe porter, it means to wear, c'est un groupe qui se termine par ER. Verbe porter avec le sujet je, it means I. Where je porte. Tu, it means you, porte, E-S. Il, he, elle, she, porte, E. Je et il et elle, ce sont la même. Prendre porte se termine par la lettre E. Regardez ici. Porte, il ou elle, et je porte. Tu, sauf le tu, prend un S. On ajoute la lettre S au verbe porter avec tu seulement. Merci les élèves, au revoir.